Bonjour, bonsoir Haïti, bonjour, bonsoir la diaspora, bonjour, bonsoir internautes et tout fidèle à brancher plateforme ça, moins content ensemble avec nous, c'est un coquin chaîne plaisir qui m'a connu en de Fokem pour nous rentrer la caïno, pour nous partager avec nous toutes nouvelles, toutes informations qui a bouleversé la ville pays d'Haïti ou à l'étranger. Dans le micro, voilà Kailan, c'est toujours serviteur, aux amis, au merci Dieu, toute équipe là déjà mobilisée. Nous pouvons faire une transmission journal Méga Matin, Méga, c'est Pigou Réseau Radio Haïtien qui est sous la terre béni, avec staff nouvelle là, information yo, sous pays d'Haïti. Wakiti, Radio Méga, pour Radio 1, l'IFS 5. Studio Pétionville. Nous invitons à écouter Méga Matin. Premier journal Radio Méga qui passe sur réseau Radio Méga dans toute ville Haïti, en même temps dans sud Floride là, dans États-Unis. L'autre vendredi tout neuf à Taïbada sur Hôtel Radio Méga, amis tout partout, bonjour, bonsoir, bienvenue dans le journal Méga Matin, toute équipe là très content, ça m'avait coup pour porter la caillou dans le travail, tout partout dans le monde là, Morelli, Daniel, Gaïen, Fritson, Ulysse, les mêmes qui a fait manœuvre technique. Yo. Ça arrivé possible grâce avec rédaction et coordination Jean-Philippe Massé hein, pour présentation. Moi c'est Daniel. Information qui prend le fait essentiel. Nouvelle lieu aujourd'hui à journée terrain dans Cafou hier jeudi à certains monde mourir parmi un policier 26e promotion dans Rouané 93 policier Omega yo t'est désengagé bah dit rentrer et puis saccager commissariat si là. En pile question t'a posé sous raison attaque ça sous raison social yo Chris là qui est même a dirigé base Tibois représenté vivre ensemble mais fait quoi il pas normal pour Cafou tête fred pendant diverses zones tête en bas. National numéro 3 t'es bloqué dans niveau Peligueto, citoyen t'es remarqué jeune garçon à qui uniforme Bessap qui a préclamé installation Guy Philippe dans tête à transition. L'autre information a bien pour nous partager ensemble avec vous dans nouvelle là, activité portière yo baissé dans APN à cause activité gang yo a mené dans la capitale haïtienne là, sitôt en bas la ville là depuis 29 février passé à directeur général APN là, Jocelyn Villiers fait connait yo rivé limiter des gars yo grâce avec système sécurité qui établit en bas avec Sipo PNH là avec FADH. Gaïa tout Lucien Nixon, c'est un présumé bandit dans la ville au Cap. Mercredi passé à yo arrêté. Yo joint sous li un million goudes pour t'acheter des armes dans mon citoyen dans au Cap. Les amis, tout partout malgré Jean situation pays ailleurs, autorité américaine yo continue à déporter moun yo voyé tourner ailleurs jeudi à yon cinquantaine moun qui débarquaient dans yo pas au Cap là. L'armée dominicaine a annoncé le mettre en bas code Claire Izier et Maz qui c'est une 142 prisonniers qui étaient sauvés dans la prison Cabaret. D'après Alicien Diario, ils jouent une arrestation dans le moment où ils ont essayé de traverser les frontières. L'autre nouvelle n'a bien pour nous partager ensemble avec vous dans le journal La Résistance pour Haïti. Exige installation au conseil présidentiel là, pressé pour venir poser problème. Sécurité dans le pays, Patrice Célestin Voyer, Pinga, by CPA, pour ne pas rentrer dans partager gâteau. Alors ce groupe Convention nationale PAC continue à voyager, conseil présidentiel là, pour Jean-Renel Sénatus CPSA, c'est on sous ce conflit, perdit temps, li pas normal, jeudi à faut crise là. Gayen Front National, organisation résistance pour Haïti Sabak démocratique là, ils ont annoncé des journées manifestations mardi et mercredi Capévin là, dans la région métropolitaine Port-au-Prince là. Objectif mouvement ça, c'est pour continuer protester contre le conseil présidentiel là. Selon Rosemont Jean, c'est Guy Philippe, population réclamée dans tête pays. Voilà, les amis, tout partout, information, ça y est avec divers autres corps, elle fait essentielle nouvelle là, va déplacer.
Il y a 10 ans nous mourir pendant journée à hier dans la commune Kafou côté bandi à pétaille banda depuis bien bonnet jeudi passé il y a 7 monde qui tape jouer domino bandi paraît et tiré yo parmi yo te gagné un policier 26e promotion selon tweet Radio Galaxy bandi rentré dans commissariat Omega yo tiré sur machine qui était dans la cour et yo allé avec divers lots matériel mais toujours dans même dossier ça gagné yon audio qui a circulé sur réseaux sociaux. Il y a un chef gang qui est Chris là qui a dirigé Font Tamara ak Kafou. Il revendique Zak Brigada ça. Il fait qu'on est moun Kafou trois lèvres pendant tout l'autre côté bloqué route yo pape fonctionner dans commune. Il reproche citoyen Kafou yo cap voyer information by certains journalistes sur réseaux sociaux yo compte yo même. Pas qu'à dire nous pas victime de l'activité gang en bas la ville là. Gagnant activité portière yo baissé dans PN à cause activité gang yo a pe mené dans capitale là citoyen ba la ville là depuis 29 février 2024 là ça gagne gros impact sur approvisionnement médicaments produits alimentaires la trié malgré bandi yo te pillé CPS c'est yon on centre conteneur d'APN non directeur général APN l'ange au salon Villiers fait qu'on est arrivé limiter dégâts yo grâce avec un système sécurité qui établi en bas qui gagne là dans l'armée avec un policier DG APN non fait qu'on est quand même gagne quelques bateaux qui rentrent qui importent gaz à diri en côté au salon Villiers l'itinamico Jean-Philippe Massé parce que et CPS était pour un petit frappe. CPS sont partis pour l'espace d'entreposage dans le conteneur qui était vandalisé en partie. Mais si jusqu'à présent nous résistons à sa situation, c'est parce que nous avons un système de sécurité qui marchait. Donc on connaît depuis 2004, nous avons appliqué le Code national pour la sécurité des navires et des installations portuaires. Nous avons fait des exigences à chaque installation portuaire qui a appliqué le code. Ça a fait que chaque et pour l'installation portuaire, il y a un plan de sûreté. Et la sécurité a fait dans le port selon le plan de sûreté. Donc c'est grâce à ça qui fait nous avons un système en place qui nous a commencé à résister. Mais par la suite, les menaces ont augmenté. Nous avons écrit le directeur général de la police là. Nous avons envoyé une copie pour le ministère des Finances et la primature qui vont convoquer une réunion de planification. Moi, j'ai fait une présentation de problèmes. Moi, j'ai dit mais qui ça qui arrivé. Et une semaine après, l'armée d'Haïti, force armée d'Haïti, fort heureusement, était déployée dans le port. Il a augmenté la sécurité avec quelques polices. Nous avons une unité de police qui fait va-et-vient avec blindés et plus de police qui cantonnent dans le port. Donc, qui finit par augmenter la sécurité. C'est grâce à ça, le système de sûreté qui est établi dans l'installation portuaire, plus les forces publiques qui sont dans le port. Pour un niveau de sécurité, je dirais, élevé, mais pour malheureusement trouver au cœur du centre-ville. Donc on est Jean Lias, le centre-ville là, il y a un gang par-ci, un gang par-là, il y a une activité de soulèvement qui permet que le trafic là pas fait jeune casse. Bon, on a tout le monde à comprendre. Impact non pour le problème non pour un impact sur toute activité, sphère d'activité. Il y a un impact sur l'économie en général. On nous fait une analyse. Pour représenter environ 69% de cette douanière. Donc, il représente une grande partie de la gestion exactement, mais dans la recette DGI, puisque la majorité d'entreprises, c'est une entreprise qui a acheté et pour revendre. Donc, c'est pour acheter pour revendre, pour être douanier, etc. Sur le plan international, pour représenter environ 80%, entre 70 à 80% de ça qui rentre dans le pays. Parce que nous sommes un pays qui, à l'heure actuelle, qui consomme plus de 50% de l'importation. Donc, on a deviné qu'il n'y a pas que le gain. Sans compter médicaments, sans compter produits pour market, sans compter toute l'entreprise qui a fonctionné. Donc, on y a comprendre qui est l'économie du pays à marché, c'est tout un pays qui a importé en pile, c'est garder qui est activité portuaire. Donc, voilà, ça a bah, une idée qui pourra jouer sur l'économie nationale. Bateau, c'est bon. Semaine dernière, là, nous avons un bateau braque qui a voté jury, qui a débarqué jury dans l'installation publique pour Port-au-Prince. Nous avons un bateau qui a voté carburant. Il disait la gasoline il y a deux jours, il était séjourné à Vareux,
puis à ton terminal. Donc, bateau toujours rentré. Donc, il y a des petites opérations qui fait pas beaucoup, mais à la fin, donc, c'est pas que bateau va rentrer. Le trafic l'a diminué. On va pas cacher l'information, le trafic l'a diminué considérablement. Le trafic l'a diminué grâce à phase, parce que il y a insécurité dans la ville de Port-au-Prince. Qui est sécurité a impacté la baie de Port-au-Prince. Donc, si il y a insécurité, ça veut dire que risque augmenté, assurance pour bateau qui vient en Haïti augmenté, donc ça fait trafic augmenté automatiquement. Donc, il a diminué. Quand il y a nous qui recevons 20 à 20 personnes, donc comme le port du Cap-Haïti fonctionne, je peux dire je vais augmenter jusqu'à 20%. Toujours dans le même dossier, ça, directeur général APM, il a annoncé qu'il a travaillé son plan pour décentraliser service à travers Poyo dans la province. Jusqu'à présent, KP Marché, Jocelyn Villiers, lance appel à différents groupes pour songer. Il n'y a pas qu'à détruire tête, l'activité doit reprendre pour l'école, avec l'hôpital, recommencer à fonctionner dans le pays. Jocelyn Villiers. Et de l'autre côté, on a travaillé sur un plan de déconcentration des activités portuaires. Côté un marchandise qui suppose qu'il vient, pas obligé de venir Port-au-Prince pour le transporter vers la province, parce que ça va aller en province directement. En tant qu'haïtien, ça m'a dit à un monde qui a, pas seulement marchand, à un monde qui a souffri de ce qui a passé là. Premièrement, ce que ça m'a dit à tout le monde, pas oublier que nous sommes haïtiens. Nous tous sommes haïtiens. Ça veut dire que le pays c'est pour nous tous. L'autre, ça m'a dit à les haïtiens aujourd'hui, au monde, identité au monde, c'est ça représenter. Donc on n'a pas travail pour nous faire pour nous ternir identité nous. Ensuite pour nous passer sous pied nous. Ça enseigne tout ça. Et là c'est pour nous tout lié. Nous ca gourmet fait ça nous. Mais songer nous on qui fait point entre nous et ça qui était et enseigne tout délégué pour délégué nous. Et moi penser que tout le monde supposé Marie ceinture serrée, boucle ceinture yo, et lutter pour gagner Port-au-Prince en bac. Pour gagner Port-au-Prince en bac, vous le dites, travail pour activité économique retourne. Nous pas qu'à continuer comme ça, faut que pays a reprendre activité, faut que retourne à l'école. Mais ça va pas qu'à faire quand peut garder c'est nous tous qui pour travailler pour ça tout. ABN malgré tout a travaillé à planifier qu'on y a remballé avec moi dans une réunion avec l'ensemble directeur ressources humaines. On a travaillé sur refonte cadre légal là, parce qu'il n'y a pas de menace que nous, il n'y a pas de menace. S'il y a des menaces, il n'y a que des opportunités. Nous pensons que nous avons opportunité qu'on y a pour nous réfléchir pour demain, pour nous réfléchir, pour nous gagner un autre cadre légal qui permette de gagner une autre institution. On a travaillé pour nous gagner. Regardez, c'est nous tous qui pouvons travailler pour ça tout. ABN, malgré tout, a travaillé à planifier qu'on y a remballé avec moi dans une réunion avec l'ensemble directeur ressources humaines. On a travaillé sur refonte cadre légal là, parce qu'il n'y a pas de menace que nous, il n'y a pas de menace. S'il y a des menaces, il n'y a que des opportunités. Nous pensons que nous avons opportunité qu'on y a pour nous réfléchir pour demain, pour nous réfléchir, pour nous gagner un autre cadre légal qui permette de gagner une autre institution. On a travaillé pour nous gagner plus pour nous qui gens nous carrer et population autrement, parce que on port li inséré dans une ville et dans une ville il y a une population, faut que relation entre ville là à port, faut que relation entre port avec ville là qui vous permettre que les gens un problème comme ça à l'avenir que monde qui vivent dans environnement pas venir attaquer port parce qu'il connaît port assez pour lui. Malgré tout nous kembé parce que employé faut que toucher nous payer. Et fort heureusement, tu as une bonne gestion, tu as un minimum, nous avons un minimum à la banque et nous jusqu'à présent. Nous ne savons pas qui côté nous arrive, mais jusqu'à présent, nous avons. Et oui, nous faisons du covoiturage, nous faisons covoiturage blindé, et puis tout le monde qui est essentiel. Mais nous. Nous avons un reste sur Calbano, même si nous avons en 1995, même si nous avons en 2004. Alors que l'armée, c'est plus qu'un employeur qui a gagné. Et son employeur qui formait nous. Son employeur qui payait, qui formait, qui habillait, qui va manger. Pour être pas de jeunesse, tout pays sur la terre, c'est ça qu'on fait. Nous avons des monuments. Alors qu'on parle un peu de ces associations. Nous avons Citadelle La Ferrière, Fort Jacques et Alexandre, pour me donner deux exemples seulement. Que mon apprend roche là dedans yo y a prend bail là dedans pour construire tikay par sur côté soit là à Cuba et même aux États-Unis
monument historique ça, c'est l'armée, oui, qui est occupé. D'abord, c'est son patrimoine militaire. C'est militaire qui est là. Non. C'est l'armée qui est formée pour l'occuper. Ce n'est pas l'occuper pour empêcher mon entrée, non. C'est l'armée qui prend formation, prend des équipes de formation qu'elle fait. Nous avons 27 fermes agricoles dans l'armée. Il faut que l'armée ait déjà recruté la faculté d'agronomie. Pour 27 fermes agricoles, ça, on est des fermes écoles pour former paysans pour une production moderne. Si nous avons fait ma agricole, nous avons mis, nous avons fait tout problème dans le cas. Nous avons déjà pris en charge. Nous avons cherché à faire des lignes aériennes, nous avons fait pour nous charger un hélicoptère. Nous avons fait tout longtemps, nous avons une ligne aérienne haïtienne, mais nationale, nous avons fait tout problème ça. L'homme de petit, c'est quoi attaque ténien? C'était une aviation militaire qui devait transporter toute l'île de Provence. Ça qui est le bac à ça. Pour toute raison, ça, il y a une cité, quelques petits bagages tout petits pour nous. Je ne vais pas parler de dîner pas, sécuriser, protéger, sous-glorio avec l'huile. Parce que mon bâti tout autour, il y a une bonne latrine. C'est la même responsable. Je ne vais pas parler de gaz que nous bagages dans la station au Kounien. Que dans tout pays sous la terre, réserve stratégique, ça, c'est la même qui occupe. Je ne vais pas parler de communication digitale, internet, moi, pompé, NACOM. Eh bien, communication pays, c'est l'armée qui contrôle ça. C'est lui qui couture. Donc, nous pas des militaires dans l'association qui ont nostalgie pour des uniformes, qui remet marcher avec 45 corps bien éclairés. Nous dépassons l'âge. Nous pas non plus candidats pour aucun poste électif. Nous là pour nous faire un projet. Projet a commencé par rétablissement de sécurité. Nous travaillons avec direction la police là et direction la mer, état-major la mer, pour nous. Si nous avons une meilleure unité policière avec une meilleure unité la mer ensemble, pour nous faire un corps hybride, pour nous mettre un commandement mixte, pour nous faire une seule mission, résoudre le problème sécuritaire. C'est ça que voit l'association militaire. Mais pour nous faire, il faut un gouvernement qui prend le levier pour permettre de nous faire ça. Donc, nous, CARICOM vient avec une proposition, cette tête, qui ne répond pas du tout à ce qu'on a souhaité comme gouvernement. Nous voyons que un pays côté aussi que vous reconnaissez trois pouvoirs. Exécutif, législatif et judiciaire. Qui tout est prêt en constitution 87 là, qui tout est prêt en mandéa, c'est trois pouvoirs à y reconnaître. Si mal sous base ça seulement, deux premiers pouvoirs n'ont pas existé. Pour le troisième, nous avons joué rôle. C'est une simple logique que nous faisons. Mais nous ne pouvons pas entrer dans le débat à choisir un juge. C'est cassation qui, pour dans mi-temps, sélectionner à faire. Si n'est que ces juges, c'est des hommes de loi. Minimum pour comprendre, c'est que nous sélectionnons, nous le voyons nous. Achille Larac, c'est coordonnateur association militaire d'Haïti, eux-mêmes qui annonçait, eux prêts à mettre tête ensemble avec la direction générale police là, avec l'état-major Lamea pour monter en unité mixte pour résoudre problème sécurité pays à pays qu'on est là. N'a pas parlé dossier déportation dans le journal là, gagné autorité au dans pays États-Unis, voyez tout nain, jeudi 18 avril 2024 là, 52 compatriotes haïtiens, en pile nan rapatrié Sayot et en contravention avec la loi américaine, selon Kerwin Augustin, qui s'est coordonnateur régional, Office national migration, OIM, selon responsable là, c'est pas première fois autorité américaine yo, a pas voyé citoyen tout nain, pas importe au cap là, ben, divers. Citoyen sa yo tap kouri kite pays ya pour aller chercher la vie meilleure divers nan déporté ou fait connaître c'est avec tristesse yo retourner dans pays ya et a poser tête question qui ça pral faire dans pays ya pour yo ben vivre. On a écouté Guino Duvernay, correspondant radio Mega nan au Cap nan reportage. Venir rapidement avec reportage ça Guino lui-même
li préparé sous question déportation ça divers citoyens autorités américaines yo voyez retourner dans pays ya face avec ça divers nan yo continue à poser tête yo question comment yo pral faire vivre dans pays ya. Autorité américaine yo voulait tourner journée jeudi 18 avril 2024 là pour minoter 52 compatriotes selon Kevin Augustin qui c'est coordonnateur régional Office National Migration ONM en pile compatriotes si là yo gain problème avec la loi américaine selon responsable là c'est pas première fois autorité américaine yo voulait rapatrier nan airport au Cap là mais expliquer année 2023 qui s'est passé là autorité américaine yo te voyait 20 avions rapatrier tourné dans l'aéroport au Cap là. Je tiens États-Unis d'Amérique de compter 52 compatriotes haïtiens au port Cap haïtien. Il y a plusieurs garçons qui étaient en contravention avec la loi américaine pour des actions diverses. Oui, il y a des criminels qui ouvrent le dossier chaque mois séparément. Que la remettre SDPJ qui vous fait suite nécessaire. Non, c'est pour raison de sécurité, les abdés en avion. Tout est dans l'avion de communauté pour raison de sécurité, après qu'on y a là, pas qu'il y a 10 minutes encore, 2 minutes. Non, l'année dernière, au Cap de Réseau, après de 20 vols de déportation aux États-Unis, des moules qui ont été sous frontière Mexique ont fait tenter pour rentrer aux États-Unis. Ce n'est pas la première fois que ça a fait dans le Cap haïtien. Oui, toujours des déportations. L'autre jour là-bas, c'était pour 274 moules pour nous pas bateau. Providentiel, hier, t'es voulu deux vols de 18 personnes, 18 personnes, vols de 18 personnes, 18 personnes, toujours une déportation. Quatre comptes américains pour qu'on rapatrie le monde au mois d'avril. Là, là. Les hommes ont déporté Silayo, femme de Gourasson, fait qu'on est. Ils ont sorti Texas, après ils ont été films passés, ils ont été dans le pays Mexique. Ils ont déporté, ils ont posé quelques questions. Qui ça, ils ont pas le faire dans le pays, ils ont été coéquipés quelques mois avant que sur l'insécurité à la vie chère. Oui, tu fais plusieurs mois que tu as vécu en Mexico. Après une violation, tu as quitté Mexico, tu as été aux États-Unis. Bon, je suis retourné à Haïti avec deux ans parce que moi, j'ai quitté le pays, c'est parce que moi, j'ai subi un paquet de bagailles. En Haïti, ça fait que j'ai quitté Haïti. Malgré ça, je suis retourné avec un cœur qui est bien serré. Je suis venu à la sécurité. J'ai 7 mois de vivre à Haïti. Parce que Haïti est en sécurité. Je me rappelle, déporté Silayo qui expliquait. Mais ils ont passé pour arriver tout bien dans le pays d'Haïti encore, pour se voir nommer Organisation Internationale Migration ONM, ils ont enveloppé qui gagne un petit autre de façon pour être capable de retourner la caillou depuis Ville Cap-Haïtien, Guillaume Duvert pour Gros Radio Radio Mega. Nos affaires et l'argent.